Monsieur Morgan, où en sont les préparatifs de notre petit voyage? Tout est prêt jusque dans les moindres détails. On peut y aller, capitaine. Vous voulez bien m'aider? Merci. Quelles sont vos consignes, capitaine? Vous allez rejoindre le reste de la flotte. Nous vous rejoindrons une fois que vous aurez bombardé la ville de Veracruz. Bon, eh bien, souhaitez-nous bonne chance, monsieur Morgan. Je suis sûr que vous l'aurez cette fois. Le gouverneur ne vous échappera pas. En tout cas, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que votre souhait devienne réalité. Surtout, soyez prudents. Bonne chance à tous et à bientôt. Il y a la fièvre dans la région. Quelle fièvre? La fièvre jaune. Si nous l'attrapons, nous sommes perdus. Mais nous avons la peau dure. La fièvre jaune n'épargne personne. Je l'ai vu tuer des centaines de gaillards qui étaient bien plus costauds que vous trois. Bande de marins d'eau douce. Ce qu'il ne faut pas entendre venant d'un moineau rabougri à la jambe de bois. Ne gaspillons pas notre énergie à nous disputer. Nous devons quitter cet endroit maudit. Nous allons nous poster dans une crique isolée et nous passerons à l'action à la tombée de la nuit. Quadriller les alentours. Je ne veux pas de mauvaises surprises. Regarde, ce sont des hurleurs roux. À ce qu'il paraît, leur cri strident réveillerait un mort. Pour faire autant de boucans, ils sont certainement plus d'une centaine. Pas du tout, il y en a au maximum 6 ou 7. Étonnant, non? Et agaçant, j'ai l'impression d'être en plein cauchemar. Qu'est-ce qu'il faut faire pour leur rabattre le caquet une bonne fois pour toutes? Tire un coup en l'air, ça leur fera sûrement peur et ils déguerpiront. Et si jamais tu en touches un, il passera à la casserole pour le dîner. Hors de question, je n'ai jamais mangé de singe, ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Rome, tu n'es qu'une petite fripouille, tu sais. Riez tant que vous le pouvez, mais restez vigilants, nous rencontrerons des animaux autrement plus dangereux que ces singes. Parce qu'il y a d'autres animaux sauvages dans le coin? Oui, des crocodiles.
S'ils essayent de me faire le coup du tronc d'arbre mort, ils auront affaire à moi. Qu'est-ce qui leur prend à vouloir se manger tout cru? Les crocodiles sont cannibales? Non, c'est pas ça. Ils sont amoureux. Tu ne crois pas plutôt qu'ils se disputent pour savoir qui mangera doublon? Mais non, vous voyez le crocodile là-bas? C'est une femelle. Et les autres se battent pour obtenir ses faveurs. La loi du plus fort vaut encore plus pendant la saison des amours qu'en temps normal. Ancestrale. Les femmes sont toutes les mêmes, sans exception. Et nous autres malheureux, nous sommes. Attention, la chaloupe, ils vont la faire couler. Fichez le camp de là. Oh, tu crois que tu me fais peur avec tes petits gros pointus? Vous avez vu ce que ces monstres ont fait à notre bateau? Qu'est-ce que je vous disais? Les femmes sont toujours sur ce grand nuit, toujours! N'oublie pas que c'est moi qui ai porté secours au capitaine chez Don Pablo. Et pourtant, je suis une fille tout ce qu'il y a de plus normal. Alors, tu ne dis plus rien, Doublon, hein? Bah, que veux-tu que je réponde à ça? On fait quoi maintenant, capitaine? Hein? Avec tous les arbres que compte cette jungle, j'ose espérer que mes hommes construiront un radeau en moins d'une heure. Arrêtez-vous là. Thank you.
Ce gibier de potence de Van Gulden se trouve derrière ces murs. Suivez-moi. Je serais prête à sacrifier ma vie pour le tuer de mes propres mains. Ne dis pas ça. Si tu mourais, tu ne pourrais plus assister à l'exécution de cet homme qui a fait tant de mal autour de lui. Regardez cette auberge. Elle est parfaite. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous servir? Il me faudrait une chambre. Vas-y, mais fais vite. Tu as assez bu, Rome. Et dites donc, tenancier, nous sommes tous affamés. Avez-vous de quoi nous régaler? Mon maître, le duc, s'est toujours montré d'une grande générosité envers ceux qui le traitaient comme il convient. Mais s'il est mécontent, il est bien capable de vous couper une oreille ou deux. Il sera satisfait, je vous le promets. Oh, il y a autre chose. Tout ce qui vous plaira, monsieur, je vous écoute. Mon maître n'a pas vu son ami de toujours, le gouverneur Von Gulden, depuis une éternité, et il aimerait avoir de ses nouvelles. Sauriez-vous par hasard s'il est dans la région et comment il se porte? Il est justement en ville et en excellente santé. En ville, vous dites? Pouvez-vous me dire où il loge exactement? Dans la résidence du maire, bien évidemment. Rome, si tu continues comme ça, il n'en restera plus une goutte pour nous. Il n'a pas l'air comme ça, mais si on lui laisse un tonneau de vin, il est capable de se le siffler. Bon, je vais voir si on est bien logé dans votre auberge. Et n'oubliez pas de nous faire monter vos mets les plus délicieux. Accompagné bien sûr du meilleur sherry, rien n'est trop beau pour les amis du gouverneur. Il est donc bel et bien ici, à Veracruz. C'est ça, et si ce que le tenancier dit est vrai, Van Gulden se porte merveilleusement bien. Yara, tu nous conduiras chez la comtesse de Bernero cette nuit. Nous partirons au coucher du soleil. Comme vous voudrez, mais que ferons-nous si jamais il ne rend pas visite à la comtesse? Nous trouverons ce chien où qu'il soit et nous nous vengerons! Cette fois, il ne m'échappera pas, j'en fais le serment. Ça semble délicat. L'aubergiste a dit que Von Gulden séjournait dans la résidence du maire. Nous risquons donc d'avoir affaire à une armée de gardes. Et alors? De toute façon, nous allons commencer par aller voir la comtesse. Et s'il n'est pas avec elle, nous attendrons qu'il daigne se montrer et nous lui tomberons dessus sans prévenir. Bon, eh bien, si tout le monde est d'accord, qu'attendons-nous? Allons-y. Si vous souhaitez goûter à mon épée, ce sera avec grand plaisir. Le seigneur de Vintimille, justement, je vous cherchais. Ah oui, je peux savoir qui vous êtes? Je fais partie de l'équipage du capitaine Gramont. Il vous fait dire que tous les hommes sont en place. À quelle heure l'assaut est-il prévu? C'est pour demain, monsieur, au point du jour. Bon, parfait. Retournez auprès de Gramont et dites-lui que je tuerai le gouverneur Van Gulden cette nuit. Et demain, quand vous passerez la porte de la ville, je serai là pour vous accueillir. Je le lui dirai, monsieur. Mmh.
On dirait bien que nous avons de la chance, capitaine. Il est là. Vite, la voie est libre. Attention, pas un bruit. Cet imbécile ne savait pas à qui il avait affaire. Depuis le temps que j'attends ça, l'heure de la vengeance a enfin sonné. Mais il a vite compris que je n'étais pas un plaisantin et que ça allait barder. Ah. Préparez-vous à mourir, Panda! Oh, comment osez-vous venir me déranger en cette demeure? Vous pouvez venir. La voie est libre. Une femme, tu vas voir, homme, elle va nous porter malheur. Est-ce que vous me reconnaissez, Votre Excellence? Ah, Yara! Oui, Yara. Cette petite fille qui a fait le serment de venger son père et ses frères, ainsi que toute sa tribu qui a été exterminée. Ah, et quel bon vent t'amène, ma jolie Yara! Je suis venue assister à votre mort! Ne me dis pas que tu comptes m'assassiner! Je m'en ferai un plaisir. Ah. Mes deux frères défunts se sont relevés d'entre les morts pour guider mon épée. Ils ne pourront reposer en paix qu'une fois qu'ils auront vu votre corps sans vie. Garmo, enlève cette table! Pourquoi est-ce que ce vieux charognard tâtonne le mur comme ça? On dirait qu'il prépare un mauvais coup. Venez de prendre vos dernières bouffées d'oxygène, Van Gulden. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Oh. Fuyez, espèce de lâche, votre fin est proche.